Tchécoslovaquie, Allemagne, sous les yeux du roi Gustave VI de Suède. La RFA a eu du mal à se remettre de son triomphe en Suisse 4 ans plus tôt. Elle perdit d'ailleurs 7 de ses 10 matchs suivant son sacre, à Berne. Le sélectionneur a donc rappelé pour cette compétition Fritz Walter, âgé de 38 ans, et fit sortir de prison son buteur, Helmut Rahn. Mais les difficultés ne sont pas terminées pour autant. La Tchécoslovaquie ouvre d'ailleurs la marque sur un penalty signé Dvorak, 1-0. Juste avant la mi-temps, Zikane double la mise, 2-0. Mais en seconde période, les Allemands refont leur retard. À la suite d'un corner, Schaffer bouscule le gardien tchèque dans ses propres cages. Il s'agit de l'incident de la rencontre car l'arbitre va valider ce but discutable. À 20 minutes de la fin du match, le revenant Helmut Rahn égalise. La Mannschaft retrouve son rang et se qualifie facilement.